pareil, dans la dernière assemblée, on a eu beaucoup de retours et notamment des questions. Alors, on a non seulement décidé d'y répondre, mais aussi d'ouvrir une FAQ. En gros, c'est simple, si vous avez des questions sur le mouvement 4 clans 1 écho ou des idées, vous les mettez dans les commentaires de cette vidéo et nous y répondrons dans la prochaine assemblée. Donc, pour rappel, le projet 4 clans 1 écho, comme vous l'avez dit dans la première assemblée, c'est 6 youtubeurs qui sont unis pour faire des vidéos ensemble et qu'ils vont sortir en même temps sur les sujets qu'ils auront choisis avant. Donc, le premier projet là-dedans, ça a été l'AMV tout simplement. On a tous fait un AMV qu'on a sorti en même temps et vous avez tous pu réagir là-dessus. Cependant, on voudrait aussi faire en sorte que la communauté française se démarque quelque peu par rapport aux autres communautés, notamment celle anglaise ou russe. Et il y a aussi un aspect de communauté, de regrouper les gens entre eux et également de faire en sorte que LGDC ne tourne pas seulement autour de quelques formats de vidéos. Du coup, pour ce projet 4 clans 1 écho, on a créé une chaîne vraiment dédiée à ça. Donc du coup, sur cette chaîne, il y aura vraiment plein de choses. Déjà, j'ai commencé à mettre les trailers ainsi que la diffusion de la première assemblée qu'on a réalisée. Et du coup, sur celle-ci, on pourra également mettre vos idées et vos vidéos dessus. Donc pour ça, on a créé une adresse email qui est l'adresse email qui va s'afficher. Donc c'est 4clans1echo@gmail.com et il n'y a pas d'accent sur le E. Et du coup, sur cette adresse email, vous pourrez envoyer vos vidéos, etc. Vraiment vos petites idées, vos questions, tout ça. C'est ici que ça se passe pour nous joindre. Et du coup, comme ça, avec nous, vraiment avec toute l'équipe de 4clans1echo, on va regarder tout ça. Et puis si on trouve des vidéos intéressantes, des chaînes intéressantes, on les mettra ici. Voilà. C'est aussi sur cette chaîne qu'il y aura vraiment toutes les vidéos du projet, que ce soit les annonces, les assemblées, les trailers ou autres. Vraiment, c'est tout. Dès que ça va concerner le projet 4 clans 1 écho, ça sera sur cette chaîne. Voilà. Comment on rejoint le projet? Donc il y a de multiples façons de rejoindre le projet 4 clans 1 écho, notamment en nous envoyant un mail sur notre adresse mail 4clans1echo@gmail.com. Vous pouvez tout simplement nous envoyer des commentaires sur nos chaînes respectives ou aussi venir interagir sur la chaîne officielle du projet 4 clans 1 écho. On a également Discord qui va vous permettre de venir nous parler pour rejoindre le projet. Est-ce qu'on va faire des débats? Donc oui, on va sûrement faire des débats. Un serveur Discord. Alors oui, on va sûrement créer un serveur Discord pour pouvoir interagir avec tout le monde. Comment envoyer des dessins? Comme dit plus tôt, vous pouvez nous contacter par mail ou sur Discord. On est assez accessible quand même. Vous trouverez forcément un moyen de nous contacter pour nous envoyer vos dessins. On peut participer au projet même si c'est pas la guerre des clans. Alors oui et non, parce que il faut quand même réussir à faire un lien entre la guerre des clans et le sujet que vous comptez raccorder. Il faut quand même que ça ait une certaine concordance parce que sinon ça n'aurait aucun rapport de vouloir participer au projet. Donc il faut que ça ait un rapport même de loin avec la guerre des clans. Les écrivains peuvent rejoindre le projet? Oui, bien sûr. C'est même conseillé. Est-ce qu'il y aura des collabs avec d'autres personnes? Oui, il y aura des collaborations avec d'autres personnes. C'est prévu. Alors, on peut faire des AMV 4 clans 1 écho? Oui, bien sûr, mais il faut que ça ait un minimum de rapport. Vous pouvez pas vous contenter de mettre simplement des images, une musique et vous proclamer être défenseur du projet. Il faut que ça ait une morale, enfin quelque chose, il faut que ça apporte quelque chose au projet. Et surtout, à chaque fois, n'oubliez pas l'hashtag pour que ça puisse être mieux référencé. C'est la nuit des clans qui gère tous les lives. Alors non, justement, la chaîne 4 clans 1 écho a été créée notamment pour pouvoir diffuser les lives. Donc les prochains lives seront sûrement sur cette chaîne-là. Est-ce qu'il y aura des débats en live? Oui, très certainement. Vous allez faire quoi avec les fanarts que vous allez recevoir? Bonne question. Oui, bonne question. On va sûrement les intégrer à des vidéos. Après, ça dépend aussi, c'est des fanarts. Ça dépend de quoi parlent vos fanarts. Hein. Mais on va sûrement essayer de les intégrer
à des vidéos. Vous allez faire quoi des MV reçus sous le nom de 4 clans 1 écho? On va en faire un petit montage qu'on va mettre sur la chaîne 4 clans 1 écho pour vous faire une sorte de petite pub. Et pareil pour toutes les autres vidéos, on va un peu essayer de vous prendre de l'ampleur dans vos projets, on va dire. Alors, ça va changer quoi à la communauté à la guerre des clans? Ça va surtout la rapprocher. On va sûrement pouvoir trouver du meilleur contenu sur la guerre des clans. Et voilà. Mais dans le fond, rien va changer vraiment. Parce qu'on va toujours être aussi amicaux. Il va pas y avoir de disputes ou de quoi que ce soit. Comme certaines personnes pouvaient avoir peur avant. Quels sont vos projets pour 4 clans à l'écho? On a pas mal de projets en tête. Je pense qu'on vous en parlera plus en détail dans les vidéos futures. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et que le clan des étoiles illumine votre chemin.